Sun, c'est la ligue des Nakama, moi c'est Insiké, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une live reaction au dernier épisode de My Hero Academia, donc saison 3, épisode 22. Donc la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode? Les foutaises de Inasa et Shoto. Exactement. Ils n'arrivaient pas à s'entendre et... Bon, au début ils n'arrivaient pas à s'entendre et puis ils ont réussi à collaborer sur la fin quoi. C'est ça. Et on a aussi découvert un peu les origines de Inasa et ça... Son seum contre la famille Todoroki. Exactement. Voilà. Et puis, il a eu de mauvaises expériences avec eux, on va dire. Ouais, exactement. Et voilà, bah, c'est la fin de l'examen. Quoi. Voilà, donc à voir qui va passer. Quoi. Donc normalement, il devrait pas avoir réussi l'épreuve. Quoi. Il ne devrait pas y avoir de grosses surprises, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on a vu. Voilà, normalement, non. Inasa, Shoto et Bakugo. Et Bakugo y éliminés. Normalement. Normalement. On verra bien. Et puis évidemment aussi autre chose pour vous prévenir. Pour la live reaction, il vaut mieux que vous ouvriez une autre fenêtre avec l'épisode auquel on va réagir pour suivre en même temps que nous. Parce que voilà, la semaine après semaine, la Toho, ils font chier les youtubeurs. Ils serrent les vis. Il y a plein de youtubeurs qui font des live reactions sur My Hero Academia qui se font supprimer leurs vidéos et tout ça. Pour certains épisodes, clairement, on en fait partie. Oui. Donc voilà, là, ça va être de live reaction avec minuteur, voilà, donc un peu spécial et tout. Puis on va faire ça jusqu'à la fin de la saison. Ouais, voilà, encore là, quelques épisodes. Il reste 4 épisodes, voilà, je crois, là. Donc voilà, 4 ou 3 épisodes. 3. 3 même. Donc voilà, donc là, clairement, il reste pas grand-chose. Donc on finit comme ça. Et pour la saison prochaine, on verra. On verra, ça voilà, dépend quoi, parce que, Pour un studio, de toute façon, qui veut pas qu'on réagisse à leur truc, voilà. On va pas se casser. On sait, c'est bien de vous prévenir, comme ça vous n'êtes pas pris au dépourvu pour la suite. Quoi. Voilà, exactement. Donc, on se lance. Voyons voir ce que ça va donner. Go. Fais pas le stresser, tu sais que tu vas passer. Mi. Oui, toi aussi c'est mi. Ça y est. C'est vrai que c'est bien, ça s'est teasé dans le générique, ils vont pas l'avoir leur permis. Que tu vois Shoto et Bakugo qui sautent pas alors que tout le monde saute en même temps, tu vois. Ah oui. C'est parce qu'ils ont un comportement qui n'est pas le bon. Ouais. Tous les deux à leur façon. Oui, dans des façons différentes. Disons que Shoto, il doit trouver plus de motivation dans ce qu'il fait. En fait. Ouais, ouais. C'est ça, lui, ça, en fait. Non, c'est ça, c'est juste un manque de motivation réel, quoi. Alors que Bakugo, c'est une question d'attitude, de personnalité. Exactement. Pour devenir un vrai héros, faut qu'il se calme. Ouais, c'est... C'est pour ça qu'il se sent pas en sécurité à côté d'Izuku. Parce qu'il voit qu'Izuku, il le rattrape, tu vois. Mais c'est même pas que ça. C'est que depuis l'enfance, il voit que d'un point de vue personnalité, même lui, il est pris. Bah, il a sauvé des gens. Voilà. Et voilà. Non, t'y es pas non plus. Garde la pêche. Ouais, voilà. Et toi non plus. Et voilà. Regarde la gueule qui tire, tu vois. Tu sais pas s'il est content ou pas content ou s'il s'en fout, tu vois. Ouais, tu sens non, il s'en fout pas.
Il y a un peu de déception, mais c'est pas comme les autres, tu vois. Ouais. Bakugo, tu sais qu'il a le seum. Ça en plus. Ouais, ferme-la. Putain. C'est pas faux non plus. Non, c'est pas faux. Regarde le l'autre. Ah là là, il est dégoûté là. En plus, c'est quand même les trois avec les meilleurs alters du game quand même. C'est vrai. Sans compter One for All. Voilà, voilà. Parce que mon Izuku, c'est lui qui a le meilleur alter. Voilà, ouais. Eh ouais, mais elle est trop forte. Ouais. Comme ça. Ouais. Rigide as fuck. Le boy scout. Ouais, c'est bien ça. Il doit y avoir une bonne raison. Mais ça va considérablement changer l'histoire. Bah, évidemment, là ils sont plus coincés à l'école. Tu vois. Exactement. Voilà. Et ça c'est bon. Justement, là ça justifie la confrontation avec les bad guys aussi. Tu vois. Mais. Là, il n'y aura plus de « ouais, vous n'êtes pas autorisé à faire ceci, cela ». Ou alors les bad guys arrivent à l'école pour foutre la merde, non. Sauf si, bien évidemment, c'est des ennemis bien trop élevés pour eux. Parce que là, j'imagine que l'école va leur dire « non, permis ou pas, vous restez à votre place ». Rappel ou pas? Ouais, c'est... Ah, on sait bien. Bah oui, quand même. Puis là, ils vont y arriver, forcément. Bah, ils ont intérêt, oui. Puis en même temps aussi, Bakugo, ça lui fait du bien aussi d'échouer alors que tous les autres passent. Là, c'est ça. Ça le fait redescendre aussi. Voilà, l'humilité un peu. C'est comme au tout début de saison 1. Quand il croyait pas pour de la merde, il est arrivé, il a vu que tout le monde avait des trucs pas trop gays, tu vois. Putain. Voilà. Il veut pas qu'il passe, salon. Yeah. C'est un enfoiré, hein. Il veut pouvoir le traquer, tu vois. Tout ça pour lui dire, ouais, moi je l'ai, toi tu l'as pas, quoi. Culé, ouais. Regarde-le sur sa photo, ouais.
Exactement. Ouais. Tu progresses, my boy. A eu l'occasion de se revoir. C'est ça. Non, parce que je me disais, tu changes un peu. Au moins, il est honnête, tu vois. Fille aux lèvres charnues, moi c'est pas comme ça que je l'aurais décrite hein, à la place d'Izuku, mais bon. Bah laisse-la remarquer qu'elle a des lèvres. Ouais, ouais, bon. Elle peut dire la meuf à poil, non? Bah. C'est ce que j'aurais dit. Voilà pourquoi elle était à fond sur Izuku. Voilà, ça va pouvoir prendre sa forme maintenant. Voilà pourquoi elle a pu se transformer en Ochako. C'est ça. Le raft. Les ennemis jurés. Arch ennemis. Ça, c'est de la prison. L'enfer. C'est vraiment un troll, le Faro. Évidemment. Il a un côté, tu vois, il se tape des barres. C'est pour ça que je le déteste pas, tu vois. Toujours le sourire aux lèvres. Master troll, quoi. Et ça me stresse qu'il n'ait pas de yeux. Je trouve. Le méchant.
Et moi, je veux voir la première fois qu'ils se sont tapés, tu vois. À quel point il l'a défoncé pour qu'il ait une gueule comme ça. Et cool le plan. Il veut parler. Ah ouais, oui, il est sans rien filtrer, hein. Ouais, c'était dur. Il est intelligent sur All For One. Ouais, très intelligent. T'as, il demandait comme ça comment ça se passe, mais il a bien prévu, quoi. Tiens. Que même dans la défaite, son plan, il a marché, tu vois. Et donc il était content. Évidemment qu'il est content. En fait, il en a rien à foutre d'avoir perdu. Bien sûr que non. Il a gagné même. Il a gagné. Physiquement, il a peut-être perdu, Non, mais... mais au final. Fais attention, All Might, ça pourrait arriver. All Might, j'ai l'impression qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est raisonner. Il veut raisonner Shigaraki, quoi. Mais. C'est ce qu'il veut, mais je pense pas Ça que. n'arrivera pas. Voilà, il sait quand même que ça fera pas, ça sera pas. Il sait, je sais pas. Attends, on n'est pas dans Naruto. Toque no Jutsu. Le célèbre El Famoso. Il l'a vu. Et ta mère, elle a vu ton message? Il stock, Ketchan! Évidemment qu'il est stock. Ils sont tous stock maintenant. Ouais, non, mais ils sont obligés, C'est je ça la pense. vérité. Ils sont Ah obligés, de bah, toute ils façon. sont dans une école de Oh, héros. voilà. C'est un peu. T'as vu avec le bonnet, il est Il bien dort comme couvert. ça, bien droit. Qui fait ça, Oh, merde? mais des barres, putain. Aïe. Ouais. Oh! Si tu savais à quel point tu te trompais.
Oh, il le sait. Ouais, maintenant il le sait. Tu vois. Là, là. À l'époque, il pouvait pas savoir. Comme par magie. Puis la mère qui a avalé ça. Ouais, non, mais. Ouais, c'est apparu comme ça. Ouais, mais bon, elle, elle accepte parce que bon, voilà, tu vois. Alors, puis elle a pas les mêmes éléments. Voilà, elle a pas les mêmes éléments, mais bon, tu vois, fuck. Cette torsie, elle est juste contente que son fils ait son bras à terre, tu vois. Il est pas con. Il est vraiment malin, ça. Bon malin. Non, non, mais tu vois... Genre, il est, il est, je dirais qu'il est pas con. Il est pas bête, il sait, il réfléchit. Et surtout que lui, voilà, lui, c'est ouais, la seule personne qui a toutes les clés. Ouais, ouais, non, mais voilà. C'est bien, c'est bien. Donc, voilà. Il a pas besoin de répondre. Non mais là, il a pas besoin de répondre. T'as vu comment il sue là, c'est bon, c'est réglé. Ah, grosse goutte. Voilà. Ouais, voilà. Là, t'as tapé dans le mille. Hein. Yeah, yeah. Et c'était. Ah bah oui, là, c'est voilà. Toi qui avais spoilé le truc. C'est lui qui a donné la plus grosse clé. Ah oui. Vivre. Oh putain. Oh, merde. Il s'arrête là. Oh, oh non. Sérieusement. Oh. Shit. Bon. Bah écoute. En plus, ils vont pas nous donner de scène post-générique, ça m'énerve ça. Bon, je suis sûr qu'il va pas y en avoir. Faut tout garder pour la semaine prochaine. Ouais, bah oui.
Ah, Bakugo qui fait le mauvais. Il fait le mauvais. Oui, non, mais... il fait le mauvais ou alors il veut voir si genre... Si Izuku est vraiment... Voilà. Comme prévu, pas de scène post-générique. Ouais, alors comme je disais, il fait vraiment le mauvais ou alors... Ou alors, c'est plus pour voir en fait si Izuku est vraiment digne du truc. C'est ça, parce qu'il veut savoir pourquoi All Might il a mis toutes ses espérances en Izuku, tu vois. Parce que c'est ça qui le titille aussi, c'est que All Might il a mis toutes ses espérances en Izuku avant même d'arriver à Yue, tu vois. Donc il se dit, c'est quoi le délire? Qu'est-ce qu'il a vu en lui qu'il a pas vu en d'autres, en moi ou je sais pas quoi, tu vois. C'est quoi le délire, quoi? Il le sait très bien. Évidemment. Question d'attitude, mec. Il le sait très bien. Tu n'as pas la bonne attitude. Il le sait très bien. C'est bien pour ça qu'il n'aime pas Izuku depuis le départ. C'est qu'il a son petit complexe là d'infériorité parce qu'il sait très bien qu'Izuku est meilleur que lui. Ouais. Donc, il le sait très bien. Il a le potentiel d'être meilleur que lui. Non, meilleur que lui. En termes de personnalité. En termes d'attitude, valeur héroïque, j'ai envie de dire, tu vois, il sait que il est meilleur que lui. C'est juste que voilà, le délire, c'est qu'il avait, je dis qu'il avait le potentiel parce qu'il avait pas encore l'alter pour réaliser le truc, c'est ça. Même sans alter, Izuku était meilleur que lui. Ouais, mais c'était pas une menace non plus, tu vois. Parce qu'il avait pas d'alter. C'est ce que je dis. Qu'il avait pas d'alter. Parce que c'est pour ça qu'il était là. Mais ça, c'est qu'une question de skills. Voilà, mais c'est juste c'est pour ça qu'il le considérait pas. C'est genre, ok, il a beau être meilleur que moi sur ces points-là, mais fuck, il a pas d'alter, il ira jamais nulle part, tu vois. Alors que bon, il s'est retrouvé avec un alter meilleur que le sien, là c'est problématique, tu vois. Là il a moyen de réaliser ses ambitions, la preuve, là lui pas, c'est pas lui, tu vois. Voilà. C'est pour ça qu'il est mauvais, tu vois. Enfin bon, en tout cas voilà, c'était un bon épisode. C'était un épisode sympa. Oui, il s'est pas passé grand chose au final. Non, c'était que de la parlotte quoi, mais c'était très bien, c'était de l'exposition et puis ça fait avancer l'histoire aussi. La petite discussion entre All Might et All For One. La petite discussion trash talking de All For One qui était. All bien For présent. One toujours dans le troll. Ah, c'est un master troll. Hein. Ah ouais. Ah non, mais la petite discussion elle est bien, tu vois, c'est vraiment comics, ça, tu vois. Tu vois, c'est une tête à claque, tu vois, il veut énerver ses interlocuteurs. J'aime bien, tu vois. C'est vraiment l'essence du mal, c'est le méchant. Voilà. La petite conversation, là, c'est digne des comics, tu vois. Que ce soit un Superman avec les Shooters, ou un Batman avec le Joker, ou un Spider-Man avec Norman Osborn, tu vois. C'est exactement ça, c'est magnifique, tu vois. Moi, j'adore. Tu vois. Et puis, ouais, il y a la confirmation que, bah, de toute façon, on a vu tous ceux qui n'étaient pas qualifiés, quoi. Donc, ils auront des rattrapages pour. Pas passé quoi. Oui, bah parce qu'il faut bien qu'il faut bien qu'il rattrape le truc quoi. Et puis en plus, sinon, voilà, je t'ai dit, c'est les mecs avec les trois mecs avec les meilleurs haltères, donc bon. On va pas se permettre de les recaler aussi, tu vois. Donc vous avez du potentiel les mecs, on le voit, allez, t'as fait. Non, c'est sûr. Et puis il y avait aussi l'autre, Toga qui avait pris la forme de la fille. Et elle a du sang de charnu. Et la question c'est savoir où est passée la fille aussi, l'original. Est-ce qu'elle l'a butée? Je sais pas. Parce qu'au point où ses potes ils avaient aucune idée que ce soit pas la bonne, pas la vraie quoi, c'est. Elle est passée où l'autre? Est-ce qu'on la verra un jour? Est-ce qu'on saura vraiment c'est quoi son alter à cette meuf? On verra comment ça va se passer, mais. Parce qu'à un moment l'autre, il va falloir qu'il y ait un délire où il signale sa disparition ou je sais pas quoi, hein, parce que bon. Ouais, ça se trouve qu'elle a pas disparu, hein. Ça se trouve qu'elle est juste endormie quelque part. Ouais, genre, elle l'a endormie juste avant de passer l'examen, quoi. C'est possible. Ouais, bon, au moins l'autre elle dira que. L'autre elle dira que voilà, elle oui, s'est fait assommer. Et puis, ça, voilà, quelqu'un d'autre a pris sa place. Ça, dans tous les cas, ça va arriver. Ouais. Dans tous les cas, ça va arriver, tu vois. À moins que ce soit fait endormir en toute discrétion et qu'elle ait pas vu son agresseur. Possible aussi, ouais, tu vois. Au moins, là, juste son témoignage, ça pourra. Voilà, dans tous les cas, pourra dire on m'a agressé, j'ai pas vu mon agresseur et quelqu'un apparemment a pris ma place pendant l'examen, tu vois. D'ailleurs, ça va la forcer elle aussi à repasser l'examen comme les autres parce que. Bah, apparemment, l'autre a été prise, non? Je sais pas. Oui, mais si elle a été prise, voilà. C'est quelqu'un d'autre qui a passé l'épreuve et qui a réussi à sa place, quoi. Bah oui, donc non, ça marche pas, tu vois, on te le refait passer. Bah oui, c'est évident. Ouais, enfin bon, voilà. Puis ouais, la leçon d'Izuku va savoir ce qu'elle va faire avec. Enfin, on va savoir, on sait ce qu'elle va faire avec, elle va prendre sa forme, mais à quel moment? Reste à voir.
va se transformer avec, en Izuku, faire des trucs bizarres. Oh, ça y est, non, mais ça, c'est ton esprit. Ça, ça bref. Moi, je vous le dis. Ouais, elle va faire des trucs bizarres. Ouais, bah, parce que déjà, comment elle a regardé la goutte de sang comme une perverse. J'ai dit, putain, elle va faire des trucs chelous avec la goutte. Hein. Moi, je vous le dis. Chelou. Ouais, elle va la lécher, puis voilà, point. Tu dis ça comme si c'était. Allez, c'est une goutte de sang. Mais c'est normal, on a déjà vu Stain dans cet univers, c'est logique, non? Ouais. Bon, elle va le lécher d'une manière. Bon, ouais, voilà, c'est pas pareil. Elle va prendre son temps, elle va déguster le truc. Stain, il prend pas du pain, un plaisir sexuel à lécher non, du non, sang, tu non, vois. Non, mais non. Elle est encore heureux, tu vois. Avec toutes les maladies qu'il doit se trimballer aussi. Ouais, là, lui, il a le sida depuis longtemps. Non, mais de toute façon, elle, ça doit être le cas aussi. Quel que soit, bref. Après, comment a fait aussi pour comment dire, qu'est-ce qu'a fait avec la goutte de sang? Comment a fait pour se transmettre ça? Elle le boit elle aussi. Je pense qu'elle doit l'ingérer, tu vois. Elle doit l'ingérer ou alors le consommer, je pense. Ou alors elle sent, je sais pas. Parce que je pense que c'est dans le même délire que Stain. Enfin, ça renforce enfin, son attirance pour lui. C'est que pareil, comme lui, elle doit ingérer le sang, le lécher, un truc comme ça. On verra bien. En tout cas, c'était un bon épisode. Donc, en attendant, évidemment, l'épisode de la semaine prochaine, on va voir Kachan versus Deku. Part 2. Donc, on va voir ça. Ouais. Voilà. Tous.